D'après une étude très sérieuse, si tu likes la vidéo et que tu t'abonnes à la chaîne Lug 4 et que tu actives toutes les notifications, tu gagneras un coffre légendaire. Bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, comme vous voyez, j'arrive sur le jeu Clash Royale et donc j'arrive sur le coffre de saison. Donc on va s'ouvrir ça ensemble. Alors ma récompense de saison, c'est un petit coffre. Je suis arrivé à 4776 et mon record de la saison, c'est 4805. Alors je vous avoue que j'ai pas vraiment beaucoup rushé hein, cette saison, à part un petit peu au début, mais sinon, vu que le nouveau jeu est sorti, Brawl Stars, je me suis plus penché dessus. Du coup, Clash Royale, j'ai pas trop joué. Mais bon, je m'en tire quand même avec un petit coffre à plus de 4600 trophées. Comme vous savez, à plus de 4600 trophées, on a un coffre supérieur à 4000, enfin à 4300, je crois. On verra, bref, on verra après. Donc voilà, j'ai un coffre combattant 2, sinon c'est combattant 1, me semble-t-il, ou combattant. Non, combattant 3, je dis n'importe quoi. Bon, bref, on l'ouvre. On arrête de parler, on l'ouvre, on verra après par rapport où j'étais au niveau des trophées. Mais je sais qu'à 4900 trophées, on pouvait avoir un coffre encore mieux. Bref, du coup, 4500 d'or. 4055 d'or. Ah ouais, c'est vrai, il faut choisir. Il n'y a pas grand chose, donc tiens. Et attendez, il n'y a que 4 cartes après. Et j'ai que 17 communes là. Ça sent pas bon. Normalement, il y a une légendaire, oui, mais bon. Des fois, ça arrive que non. Donc, j'espère qu'il y a une légendaire, mais bon, ça sent mauvais déjà. Donc, bon, et gargouille, de toute façon, squelette, merci quoi. Ah, là, par contre, je prends ça. Comme ça, je le passe niveau 8. J'ai un royal. Ouais, j'ai un royal parce que c'est la carte que j'ai le moins. Comparé au gobelin, mais bon, j'utilise pas les deux donc. Ensuite, j'espère épique, sinon, bah tant pis. Et non, bah pas de légendaire. Bon, j'ai toutes les légendaires donc ça me dérange pas trop, mais bon, c'est dommage parce que c'est vrai que une petite princesse, j'aurais bien aimé, comme ça j'aurais pu avoir 6 sur 10, ça aurait été cool. Donc là, j'ai un parce que comme ça je peux augmenter au niveau 10 bientôt. Donc pour freiner une petite pique. Donc on termine avec Golem ou PK. Et je vais prendre le Golem. Parce qu'encore une fois, c'est des cartes que j'ai la moins. Dans l'échange, j'ai d'autres coffres à ouvrir, me semble-t-il. Ouais, chacun du trophée. Donc ouais, j'ai quelques autres coffres à ouvrir, donc on va ouvrir ça également. Le coffre de saison, il peut être... Je sais pas, ouais. Je vais faire attention de pas tout donner, parce que là, j'ai augmenté ma carte au niveau 8. 2000 d'or, c'est pas beaucoup. Voilà. Bref, donc, ouais, coffre de saison qui, normalement, est pas mal. Il y a moyen d'avoir une légendaire. Donc là, le géant bientôt niveau 10, comme je vous ai déjà dit. Alors oui, alors vite fait, comme je disais au début. Donc 4000 trophées. 4300, on arrive combattant 2, combattant 3, 4600, et donc j'étais pas loin, comme je l'ai dit, d'être maître 1. Ça aurait été bien, je pense, j'aurais eu un meilleur coffre. Là, on a 251 cartes, et là, on en a 200 cartes, donc ça aurait fait 50 cartes de plus. Donc, dommage, mais bon. Après, comme je l'ai dit, avec le nouveau jeu, j'ai pas trop joué sur Clash Royale en ce moment, mais bon. Enfin, je joue un petit peu, comme vous avez vu, je suis quand même monté à 4700. Bon, encore 4805, je crois. Mais ça reste pas non plus extraordinaire. Bref, du coup, avec coffre gratuit, c'est parti. On commence le pack opening, 96 d'or. Un petit géant, ok. Et 12 chauves-souris. Si on peut, on le passera niveau 9, la chauve-souris. 95 d'or. Un géant, encore une fois. Ça arrive bientôt niveau 10, c'est cool. Et 12 mortiers. Ensuite, coffre en argent, c'est parti. Nous avons quoi? 67 d'or. Une TDE et... 12 gangs de gobelins, après s'il reste les coffres d'argent, donc les coffres d'argent c'est pas ouf. Hein. 82 d'or, une cabane de gobelins et 12 esprits de glace. Dernier coffre d'argent, deux cartes encore après, 90 d'or, un extracteur d'élixir et 12 squelettes. Donc là on a coffre à couronne et on a coffre... Ah, attendez, je vais donner parce que du coup je peux donner. Voilà. On a donc ouais, coffre à couronne et coffre de clan. Donc coffre à couronne, c'est parti. J'espère une légendaire. D'ailleurs, ça fait super longtemps, enfin ça fait super longtemps. Ça fait depuis la mise à jour, qu'il y a eu, avec la légendaire qui s'illumine avant de l'avoir et qui prend pas mal de temps avant de se montrer. Mais depuis ça, j'ai pas eu de légendaire depuis un bon moment. Donc c'est vrai que ça me ferait plaisir d'avoir une légendaire. Juste pour avoir l'animation quoi. Juste pour avoir l'animation, ça serait cool. Donc 600 d'or, 4 gemmes. Oh, pas mal quand même. 4 bombardés. 9 chauves-souris. 8 gobelins à Sarakan et 61 gangs de gobelins. Donc ça ouvre, c'est pas ouf, pardon. Donc allez, coffre de clan, j'espère une bonne carte. Donc attendons. Donc alors, il faut que j'ai. Si j'ai 2 épiques et 27 rares avant la fin, j'aurai une légendaire. De toute façon, maintenant, comme je vous ai dit, on sait quand on aura une légendaire. Donc pas besoin de compter les cartes maintenant. Donc c'est parti. Cette carte, ça commence bien. 1620 d'or. Rare, 3 mousquetaires. Ça s'annonce très mal.
2 mousquetaires, 4 gobelins Starbuckan, 7 fournaises. Aïe aïe aïe, y a pas de commune encore, y a pas de commune. 13 Valkyries du coup, et là. Oh, non. Non, là je suis content parce que je me suis dit, tiens, y a les épiques, mais y a pas de commune, donc y a pas de commune, tant pis. S'il y a pas de commune, y a pas de légendaire. Donc 2 bébés dragons, et du coup, commune, j'espère parler de commune du coup, parce que vu ce qu'on a eu, 241 gang de gobelins, merci, j'utilise pas cette carte. Donc voilà, bah, pack opening, vraiment pas top, hein. J'aurais bien aimé sur le coffre de saison avoir un bon truc, d'habitude j'ai. Enfin, d'habitude. Les derniers coffres, le dernier coffre juste avant j'avais pas quelque chose d'extraordinaire, c'était pas ouf, mais les autres c'était quand même pas mal, hein. J'avais une fois sur deux une légendaire dans le coffre, mais là c'est vrai que c'est assez bof, même le coffre de saison est pas ouf, donc je trouve ça un petit peu dommage pour ces coffres là d'avoir vraiment pas grand chose. Donc voilà, après j'ai toutes les cartes, tant mieux, mais bon, j'aurais pas dit non pour une petite princesse ou pour un petit cimetière, parce que cimetière niveau 3 ou une ou deux princesses, j'aurais pu en avoir 6 ou 7 sur 10. N'aurait pas dit non non plus quoi. Mais bon, c'est pas grave. Donc le géant passe bientôt au niveau suivant, je le ferai en vidéo. Géant niveau 10, ça va commencer à faire pas mal de dégâts. Et puis voilà, mais j'espère bientôt une légendaire, parce que au moins pour avoir l'animation, au moins pour avoir l'animation et avoir le petit truc qui s'illumine avant d'avoir la carte légendaire, ça peut être pas mal. Bon voilà, en tout cas j'espère que ça vous a plu ce petit pack opening. Pas top du tout, mais bon, ça c'était un pack opening pas mal. On a quand même eu quelques épiques, donc ça fait quand même plaisir. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu en bas de la vidéo, à commenter la vidéo, à partager cette vidéo. On se retrouve donc pour une prochaine vidéo très bientôt. Et ciao.